Oh là là, pas bon. Et voilà, gros choc. Sur la roue arrière, sur l'axe arrière, qu'est-ce qui a cassé? Donc rien de compliqué pour changer ça, ça fait plaisir d'ailleurs. Juste les deux boulons ici à retirer, vous enlevez le petit cache qui est là. Ça permet de nettoyer en plus la saloperie qu'il y a dedans. Et ensuite, juste ces deux petites vis là à retirer. Alors assurez-vous qu'elles sont bien vides, qu'il n'y a pas de la terre dedans, parce que si vous mettez, si vous essayez de dévisser alors qu'il y a de la terre à l'intérieur, l'embout va pas assez loin et vous risquez de foirer les vis. Eh ben c'est beaucoup plus simple à changer. Hop. Et l'avant, c'est le même principe. Et là, on a accès à cette petite barre de renfort. Tac. Tout simplement. Et voilà. Et ça tient en tenaille en fait l'axe. Les deux axes, tout bêtement. Donc je vais récupérer mon axe, tout simplement, pour pouvoir trouver quelque chose dans mon atelier qui va pouvoir remplacer l'axe en attendant d'en commander un autre. Donc je sors simplement le deuxième, histoire d'avoir la dimension exacte. Voilà. Donc oui, c'est bien métallique, mais ça a pété net! Impressionnant la façon dont ça a cassé. Donc, bah, plus qu'à trouver une petite tige comme ça. Je vais chercher dans mon garage et je reviens très vite. Bon, ben ça aura pas été long, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé des petites aiguilles à tricoter ici qui font 3 mm, c'est du 3, c'est pas compliqué. Des aiguilles bien rigides, bien raides, il y en a des plus souples, mais celles-ci sont bien raides. Donc ben, j'ai plus qu'à découper là-dedans, et puis ben, en fait je vais avoir plein d'axes d'avance, hein, voilà, tout simplement. Donc si vous en voulez, vous m'appelez, j'en ai plein. Donc je vais découper là-dedans, et puis je vais simplement remplacer mon axe. C'est parti. Ça fait 20 minutes que je suis rentré, et ben voilà, j'ai refabriqué un autre axe. J'ai eu la chance d'avoir des aiguilles à tricoter, et en fait ben, ça va carrément faire ce qu'il me fallait. Donc pour remonter, bien sûr, vous faites bien attention, hop, de réenquiller l'axe comme il faut. Forcément, voilà, on va replacer l'axe de rechange, voilà, on va pouvoir replacer l'autre, on replace le second, voilà, et ensuite, plus qu'à replacer ces deux éléments, vous voyez cette pièce plastique qui viennent enfermer l'axe, tout simplement, voilà, les deux sont placés, il n'y a plus qu'à visser. Donc réparation rapide. Bon, c'est sûr, si j'avais eu un ESC en panne, j'aurais pas réparé le ESC aussi vite. Donc voilà, notre petit axe est remplacé, on va pouvoir retourner. C'est toujours, c'est une petite astuce à connaître ça, hein, quand vous avez plusieurs vis sur un accessoire, sur une pièce, eh bien placez vos vis d'abord, n'en serrez pas une à fond, placez vos vis comme il faut, toutes. Vissez-les, mais pas jusqu'au bout, de façon à pouvoir les placer toutes. Tac! Donc voilà, c'est en place. On n'a plus qu'à replacer, hop, le support ici, le petit cache. Je ne serre pas. On place le deuxième, parfait. Et voilà! Notre axe est réparé. Ça aurait pas mis très longtemps. Bon, je replace un nouvel aileron, j'en ai un, puisque j'ai changé la carrosserie d'une Cheetah. J'ai pris la carrosserie un petit peu truck, un petit peu pick-up. Donc faut refaire des trous, puisqu'ils sont pas placés au même endroit pour aller sur une Cheetah. Mais ça y va parfaitement, et du coup, j'ai un aileron en rab. Hop, que je vais utiliser pour celle-ci. Et voilà les petits loups, c'est comme si c'était rien passé. Elle est toute neuve. Bon, ça y est, ça s'est libéré, il est tard. Il est 6h, 6h30, il va bientôt faire noir. Mais ça s'est libéré, donc c'est réparé. On va pouvoir tester la vitesse cette fois-ci, c'est parti. Et je suis content parce que je préfère ce genre de casse. Rappelez-vous, sur la JLB, j'avais eu le même genre d'accident. Et bah, c'est les triangles qui ont pris et qui ont cassé. Et dans ces cas-là, on est vraiment immobilisé. Que là, bah, y a juste à retrouver un petit axe. Et comme vous l'avez vu, on peut s'en fabriquer des petits axes. Oh là, alors là, j'ai trop de direction. Alors la direction à fond, elle est hyper sensible.
hyper maniable, c'est impressionnant. Regardez l'angle de braquage. Elle se couche bien sur le côté. On va baisser un petit peu l'angle de braquage. Donc c'est ici que ça se passe. Tac. Voilà, on est un peu mieux. On peut même baisser encore un petit peu. Voilà, on va régler l'alignement. Qui a l'air plutôt pas mal, ma foi. Allez, c'est parti. On est à fond de throttle. On relâche gentiment avant de freiner. On évite de bousiller les transmissions. Là, je pars un peu sur la droite. On va trimer un peu. Voilà, c'est un peu mieux. Allez, un petit cône. Je range les cônes. Bonne pêche. Rien qu'en 3S. Oh, je ne ferai pas de grosses pointes en 4S. Hein. Alors, vous savez que c'est le meilleur moyen pour les casser. Eh ben non, vous me connaissez, je vais pas vous laisser là-dessus forcément. J'ai préféré prendre une journée de plus pour pouvoir faire le test en 4S. Forcément, vous voulez le savoir autant que moi. Donc aujourd'hui, bonne nouvelle, le GPS fonctionne. J'ai fait un petit test là pour l'instant, je suis à 15 km/h juste pour la mise en route. Bah écoutez, on va pouvoir voir ce que ça donne. Installer une 4000 mAh Zop Power 4S en 35C dans la voiture. Donc ben, on va pouvoir tester la vitesse de pointe en 4S. Bien sûr, si vous faites ce genre de choses, faites comme moi. Soit vous venez sur un terrain de foot, soit sur un endroit qui est très très large, genre piste de décollage par exemple sur un aéroport, mais quelque part où il n'y a pas des trottoirs. Parce que quand vous atteignez des vitesses comme celle-là, comme je vous l'ai dit, à partir de 70 km/h, une légère déviation, vous voulez récupérer, ça part en vrille, et à ce moment là si vous partez en tonneau à 70, 80, 90 km/h, ben là il n'y a pas grand chose qui peut résister, comme je vous l'ai dit. Même si c'est une voiture très costaud, même si elle a des renforts métalliques, forcément à cette vitesse là ça finira par casser ou par tordre, bien évidemment. Donc c'est parti pour le petit test en 4S. Donc comme vous le voyez, elle demande pas son reste. Wow, 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 wow. Ça ballonne sérieux devant. Allez, on chauffe un peu le moteur. Alors là, peu importe à combien vous êtes, hein, dès que vous remettez le throttle à fond, elle repart en wheel. Vous voyez, j'accélère, là je suis pas mal. Je raccélère et on repart. Allez, c'est parti pour une petite pointe. Bien sûr, on va baisser un petit peu le trim de direction pour avoir beaucoup moins d'angle. Là, c'est encore beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup moins d'angle. Voilà, ce sera plus facile pour récupérer la trajectoire s'il y a besoin. Allez, c'est parti pour un premier test de puissance et de vitesse en 4S. Je pousse et full throttle. Non, pas encore. Tout en well. Je sais pas si on atteindra la vitesse max parce qu'elle se bloque en wheeling. Allez, on y va progressivement. Je vais encore pas avoir assez de place, c'est hallucinant. Même sur un terrain de foot de 100 mètres. Allez, je vais me reculer un petit peu. Il faut que je sache où viser. Il va falloir que je passe entre moi et les buts ici pour pouvoir aller ralentir par là. En tout cas, elle bouge pas. Elle est propre. 72 km/h. On a gagné 6 km/h. 72, je sais pas si on pourra faire mieux. En tout cas, c'est péchu, hein. Vous la maintenez sans problème en accélération, essayez de ne pas marquer un but. Super facile à tenir en wheeling. Allez, on se fait une dernière petite pointe, mais je pense qu'on fera pas mieux. Super portée. Allez, c'est pas mal, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça mouline arrivé à une certaine vitesse. C'est dur de pas la mettre sur le... en wheeling. Oh là 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 là. Allez. Non, 72 km/h. Je crois que c'est le maximum qu'on pourra atteindre avec celle-ci. Mais quelle puissance quand même. Ouh.
freinage est terrible. À fond de throttle. Et on lâche tranquillement. Yes! Ah, les roues ballonnent bien devant, mais apparemment c'est assez homogène. Allez, fond de throttle, c'est parti! Ouh. Allez, on va checker! Freinage tranquille. On va checker la vitesse tout de suite, maintenant que le GPS veut bien fonctionner. Je sais pas ce qu'il a eu tout à l'heure. Alors, 66 km/h. Eh ben écoutez, c'est le maximum qu'on aura en 3S. On aura eu notre petit test, enfin. Wouhou ! Alors, super maniable, hein. Je vais récupérer ma direction à fond. Alors attention, parce qu'à fond, c'est vraiment sensible. On va se faire du petit slalom là-bas. On va aller jouer avec les cônes. Une bonne tenue de route. Même quand vous avez une bonne vitesse, vous voyez, elle accroche plutôt bien sur route. Hein. On drift un peu. On a tendance à, ouais, à survirer. Ça va, ça accroche bien devant. Bien sûr, je lâche l'accélérateur quand je braque comme ça. Bon, je vous cache pas que sur bitume, là, on doit bien user les pneus. Ça slalome vraiment bien. Elle doit être à l'aise sur les circuits. Hop là, touchette. Remets ça où c'était. Ça c'est du freinage. Ah, s'écrase vraiment bien. Ah, les amortisseurs bossent super bien. Vraiment de quoi s'amuser. Hopé. Donc prenez-en soin, c'est pas parce que c'est des voitures qui sont faites pour bâcher qu'il faut faire n'importe quoi, c'est clair. Vous l'avez vu, hein, les tonneaux, des tonneaux trop violents peuvent être fatales, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez de la ressource, c'est clair, il y en a sous la pédale. Ouf. Oh, sur gravier, on fait ce qu'on veut.
Donc voilà les amis, en ce qui concerne la VK Racing Bison V2, dernière édition, bien sûr, si vous voulez, comme je vous ai dit, le petit support en aluminium, et bah écoutez, super content, petit souci, petit axe cassé, mais bon, c'est réparé, c'est reparti. Bah, en attendant, bah, elle tient la route et elle envoie violent. Donc beau bébé, à voir par la suite ce que ça peut donner à l'usure, mais bon, ça ne fait pas plus peur que ça, je vous dis, pour le prix, franchement, vous aurez du mal à trouver un équivalent, bien sûr, mis à part celle qu'on a l'habitude, celle qu'on a vue déjà jusqu'à maintenant, la DHK Zombie, l'Optimus qui est un peu plus fragile que la Zombie. Bon, pour l'instant, la Zombie, je pense qu'elle reste ma préférée, bah, juste parce qu'elle a une tête de zombie déjà, mais franchement, la Bison passe largement devant les JLB. Donc voilà les amis, allez, je vous laisse là-dessus, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Magnifique.